Oui, bien évidemment, c'est le soulagement pour mes collègues ainsi que pour les policiers en général, même si nous comprenons parfaitement le désarroi des familles. C'est-à-dire, vous le comprenez, mais la justice a priori bien fait son travail, c'est ce que vous dites? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le tribunal s'est exprimé sur le fond de droit. Comme nous l'avons dit, ça fait 10 ans que nous soutenons nos collègues. Ça fait 10 ans que nous les soutenons en disant qu'on n'a rien à leur reprocher pénalement. Aujourd'hui, notre position est confortée par le jugement du tribunal. Maintenant, on comprend effectivement la tristesse des familles qui, peut-être pendant 10 ans, ont cru espérer une condamnation, ont eu beaucoup de joie, enfin, de déception. Et puis aujourd'hui, c'est fini, c'est une relaxe. Et effectivement, on comprend qu'ils soient amèrement déçus. Oui, surtout que l'avocat des policiers a parlé de victoire. Est-ce que finalement, ce n'était pas un mot malvenu juste après l'énoncé de la décision ? Bah écoutez, ce sont ces termes. Maintenant, chacun s'exprime en fonction de sa position. Nous sommes satisfaits, comme je vous dis, pour nos 2 collègues et également pour toutes les conséquences qu'une condamnation aurait entraînées sur nos interventions futures et à venir. C'est-à-dire ? Vous pensez que ça aurait été plus difficile d'intervenir en banlieue si les policiers avaient été bien évidemment, si nous c'est pas une question spécifiquement de banlieue. Oui, de banlieue, ça aurait entraîné une voie de jurisprudence, c'est-à-dire que toute intervention, mes collègues auraient dû faire carrément preuve de dons extra-lucides ou de voyants. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça aurait été très compliqué d'intervenir et ça aurait eu des répercussions sur la sécurité de nos concitoyens.